Salam alaikum, bonjour. Alors, aujourd'hui, je viens de vous proposer un petit DIY pot à crayon, pot à stylo ou alors pot comme vous voulez. Vous pourriez mettre ce que vous voulez. Alors, après, j'ai l'intention de la peindre de cette couleur-là. Alors, ne me demandez pas où je l'ai acheté. Je ne sais plus où c'est que je l'ai acheté, ce petit truc de peinture. Voilà. Donc si vous voulez la référence, peut-être que... Je sais plus si c'est la foire fouille ou Babou. Pardon, je sais plus du tout. Il me semble que c'est la foire fouille. Il me semble, hein, je sais plus vraiment. Donc voilà. Donc pour ce faire, il vous faut un pistolet à colle pour coller. Il vous faut une boîte de conserve et des bâtonnets comme ça. Alors ça, vous en trouvez dans le commerce, hein, peut-être dans le loisir créatif, genre, ou alors peut-être à la foire fouille. Je sais que Flying Tiger, ils en vendent, parce que nous, à Marseille, il y en a un. Après, si vous avez un magasin style Maxi Bazar, peut-être que vous pourrez en trouver un. Vous pourrez en trouver. Moi, je sais plus où c'est que je les avais, parce que je sais qu'à Flying Tiger, j'avais acheté les mêmes, mais ils étaient un peu plus larges. Donc, voilà, il vous en faut quand même pas mal, parce que je sais pas combien il va me falloir de bâtonnets comme ça pour le contour. Alors, moi, normalement, il faudrait les peindre avant et les laisser sécher avant. Et les laisser sécher. Mais moi, j'ai pas envie de les peindre de suite, alors du coup, je les peindrai après. Voilà, au dernier moment, donc je pense que je vous ferai une vidéo complète. Ou alors, je vais faire le DIY avec vous, le peindre, et après faire la deuxième partie, la décoration. Je vais voir. Voilà, ça dépendra. Alors, nous allons commencer. Donc, déjà, dans un premier temps, voilà, vous mettez... Donc, d'abord, quand vous faites des récupérations comme ça... Lavez bien votre peau dedans, dehors, tout ça, pour que vous puissiez le faire sur quelque chose de propre. Voilà. Donc, moi, regardez, moi, je mesure, mais normalement, c'est c'est bon. Après, on va mettre directement la colle sur le support. Si ça veut bien marcher, parce que des fois cette colle là, quand vous l'achetez à la foire fouille, c'est la galère pour lever le surplus de colle là. Et des fois c'est chiant quoi. Voilà, normalement ça devrait le faire. Voilà, donc vous faites bien. Donc avant de l'utiliser, il faut d'abord faire bien chauffer le pistolet à colle. Et après, quand c'est prêt, vous pouvez l'utiliser. Mais par contre, il faudra un peu se dépêcher parce que la colle chaude sèche assez vite. Donc voilà. Et après, vous enchaînez à chaque fois. Bon, moi, vu comme je suis droitière, c'est un peu galère pour le pistolet. Donc, voilà, vous faites pareil, voilà. Donc c'est une idée prise hein, pas sur Instagram mais sur Pinterest. Vous verrez tout ce qui est déco, DIY pour des trucs comme ça, des rangements en carton.
Il y a pas mal de bonnes idées. C'est vraiment très sympa. Pour les pots comme ça, vous pouvez faire par exemple avec du papier décoratif. Voilà, des boutons, de la peinture. Voilà, des trucs assez sympas. Va falloir que j'aille chercher une recharge de colle. Donc, je reviens. Voilà, j'ai été prendre mon bâton de colle. Donc, voilà. On va déjà l'installer. Ça sera. Non, on verra après. Donc, ça donne ça déjà. Donc, vous voyez, ça commence déjà un peu à prendre forme. Ensuite, on continue. À mettre la colle et là on pourra mettre après le bâton parce qu'on est à la fin. Voilà, on prend notre bâton, voilà, et vous prenez votre bâton de colle, vous le mettez si vous êtes à la fin comme moi. Ensuite, on enchaîne pour pas perdre trop de temps. Voilà. Le bâton de bois. Voilà. Voilà. Après là, si c'est comme ça, c'est pas grave, hein, parce qu'après on va venir, quand on, une fois que ça sera peint, on va venir le décorer. Donc voilà. Après, si vous souhaitez le peindre, au cas où, ou le donner un coup de blanc, un coup de gesso blanc ou de la peinture acrylique blanche, comme ça, au moins ça évitera que ça fasse ça. Mais moi, après, je vais le peindre et je vais venir décorer le truc. Donc voilà. Donc je mets de la colle. Je prends le bâtonnet le bâtonnet. Voilà. Par contre, si vous êtes un enfant, le faire bien évidemment avec un adulte à côté, hein, parce que le pistolet à colle chaude, c'est hyper dangereux, hein. Voilà. Donc là, déjà, rien que pour faire là, on a mis 6 bâtons déjà. Ensuite, de la colle. Un autre bâtonnet. Voilà à peu près ce que ça donne. Après, si c'est pas droit en bas, hein, c'est pas grave, hein. C'est juste moi, juste l'air de dire que je vous fais un tuto parce que ça faisait un moment que je voulais faire un DIY tuto sur un truc comme ça. Que ça faisait un moment que j'avais envie de vous le faire. Mais j'attendais vraiment de trouver une jolie déco à vous faire. Il va falloir que après je prenne une déco. Je vais voir après ce que je vais vous mettre en déco dessus. Parce que je ne sais pas du tout encore. Voilà. J'espère qu'en tout cas que ce tuto vous plaira. Inch'Allah. Un tuto DIY, hein, pour moi c'est pareil. Hein. Vous allez me dire, c'est kiff kiff bourricot. Hein.
pense qu'après, il va falloir que j'aille reprendre un autre bâton de colle. Ça part assez vite quand même, hein, ce machin-là. Ensuite, encore. De la colle. On le met bien, comme ceci. On appuie bien. Vous voyez déjà ce que ça donne? Ensuite, voilà, je vais encore aller reprendre un bâton de colle et je reviens de suite. Voilà, j'ai été reprendre. J'en ai pris deux au cas où, on ne sait jamais. Ensuite, on continue. Désolée si je me dépêche un peu, que je parle très peu. C'est que je voudrais pouvoir déjà faire tout le tour Enfin, j'essaie de me dépêcher un petit peu pour pas que la vidéo dure une plombe. Que là, on est déjà à 13 minutes. Mais bon, voilà, en 13 minutes, on a pu faire pas mal de... presque tout le tour, quoi. On en est déjà à la moitié, presque. Après, ça serait une idée de cadeau, par exemple, hein, pour ceux qui font Noël, tout ça. Ça peut faire une idée de cadeau des fêtes, Noël, par exemple, ou anniversaire, parce que je sais que là, il va y avoir pas mal d'anniversaires aussi. Donc, ça peut être une idée de cadeau, par exemple. Regardez déjà tout ce qu'on a fait. Vous voyez? Là. Comme ça. Et regardez déjà. Vous voyez ce que ça donne déjà? Voilà. Ensuite, on continue.
reprends un bâton. J'espère que ça va vous donner pas mal d'idées pour vos cadeaux de fête de fin d'année ou même pour des anniversaires. Que voilà, que ça va vous inspirer. Voilà, après, vous faites comme vous voulez, hein. Après, vous pouvez même faire pour un pot de fleurs ou même si c'est des fausses fleurs, hein, des fausses plantes ou quoi. Même pour une idée déco, hein, moi je vais faire ça pour un pot à crayon. Même, voilà, je l'utiliserai pas de suite parce que si j'ai pas mal de bordel, enfin, j'ai pas mal de trucs de pot à crayon déjà sur mon bureau. Mais bon, voilà, après ça peut être une idée de déco. Une idée de déco, hein, qui sait peut-être. Regarde, on est presque à la fin là. Là, rien que pour là, il m'a fallu, on va dire, presque deux bâtons de colle et demi. Hein, parce que dans mon pistolet à colle, il y avait déjà un bâton de colle entamé. Donc là, j'en ai fini un entier. J'ai fini la moitié, donc déjà du bâton de colle. Plus un entier. Et lui, il va bientôt falloir que j'en rajoute un autre. Après, je compterai combien j'ai mis de bâtonnets. Comme ça, je vous dirai combien à peu près il en faudra pour faire le tour complet le tour complet du pot. Voilà, donc là vous voyez, j'ai déjà fini la colle, donc il faut que je remette. Donc déjà deux bâtons de colle, on va dire trois. Voilà. Et un dernier. Voilà, il rentre pas bien, bien, mais voilà, c'est fini. Enfin, pour cette première partie, donc pour tout ce qui est collage. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Voilà.
Après, c'est pas grave hein, si c'est comme ça pour le dernier qu'on a mis, c'est pas un souci, hein, c'est pas grave. Voilà, donc on va compter combien j'ai pu mettre de bâtonnets pour faire ce pot. Alors, je vais lever d'abord les filets de colle. Voilà. Alors, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Alors j'ai mis 27 comment dire, petits bâtonnets à glace, 27 petits bâtonnets. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va le peindre. Voilà. Je garde le pistolet à colle à proximité, car on peut être amené à coller quelque chose, quelques petits trucs, par exemple du ruban. Voilà. Après, on peut très bien coller dedans, en coller dedans, hein, mais je pense que ça ne sera pas nécessaire. Donc, je vais aller voir ce dans quoi je pourrais mettre ma peinture. Voilà. Et je reviens. Alors, j'ai trouvé dans quoi j'allais le mettre. Alors, j'ai pris. Donc, c'est en fait un petit pot comme ça. Je vais mettre la peinture dans le bouchon. Et j'ai mis un peu d'eau pour nettoyer ou pour ajouter un peu d'eau pour réussir un peu à peindre. Voilà. Pour mouiller mon pinceau. Donc voilà. Après, faudra pas hésiter à mettre de la peinture. Voilà. Hein, faut pas avoir peur. Après, si vous avez plus assez de peinture dans votre bouchon, vous rajoutez, hein. Donc, je vais essayer aussi de ne pas trop tarder avec la peinture, d'essayer de vite faire. Après, s'il le faut, je redonnerai un coup de peinture et après, on fera dans la deuxième partie la décoration, voilà, du pot. Après, s'il faut par exemple redonner un coup de peinture, vous pouvez, hein. Ça, vous verrez au séchage après, hein. Voilà. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Après, commencez déjà par faire tout le tour. Voilà, tout le tour. Et après, s'il faut, vous redonnerez un coup. Parce que moi, je pense qu'il va falloir que je redonne un coup de peinture, mais je pense que je le ferai hors caméra, je pense. Hein, Parce que sinon, la vidéo va durer une plombe. Là, déjà, on est à 23 minutes. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais finir hors caméra et on se retrouve après. Allez, à tout à l'heure. Alors, je vais fi finir de peindre avec vous ce qui reste à peindre. Et après, on va laisser bien sécher. Et après, je ferai la deuxième couche hors caméra. Et je décorerai avec vous, je ferai la deuxième partie que j'inclurai dans le montage finalement, parce que je voulais le faire à part. Mais je me suis dit, ou alors je vais la faire à part et je vais finir cette première partie et faire le montage et poster la première partie, donc cette première partie sur YouTube pour le lundi. Et la deuxième partie, ça sera pour le lundi d'après. Ou alors pour. Je vais voir. Si je mets les deux en même temps pour le lundi. Ou ça sera pour un autre lundi, pour la deuxième partie.
si ça sera pour le deuxième, notre lundi. Je vais voir. Donc là, on en est pratiquement à la fin. Et par contre, n'oubliez pas de peindre au niveau de là et l'intérieur aussi pour que ça fasse plus joli. Voilà. Donc voilà, je vais finir cette partie avec vous. Et voilà déjà ce que ça va donner. Voilà, et je ferai la deuxième couche une fois que ça aura séché et je décorerai avec vous le pot à crayon. Comme ça fera une deuxième partie bien comme il le faut. Donc voilà, je vous dis à très vite pour la deuxième partie. Thank you.